Salut à toutes et à toutes, c'est The True Gamer M5. Bonjour, bonjour. Et il est où? Et je suis là. Et c'est lui, oui, c'est Stefano. Bonjour Stefano, comment ça va? Salut, ça va? Ça va très bien. Donc on est là aujourd'hui pour un triple, c'est un événement merveilleux, on est là avec Stefano. Et voilà, donc on fait un triple. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Dis-le nous, Stefano. On va aller capturer Kyogre, Groudon et Rayquaza. Voilà, on va Alors d'abord, on va se manger la vieille cinématique de Post-League. Ouais. Voilà, on te la dédicace, Stefano. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu as l'air d'avoir de l'aplomb, mais l'impression que tu veux. Non, pas, tu vas trop vite, je n'arrive pas à lire. Ah oui, un certain monsieur Marco m'a donné ça. Donc pour ceux qui se souviennent plus, c'est le vieux qui nous a emmené en bateau. Et qui avait un Goéli. Ouais. Promis, si on croise en sablette, on te laisse. On te le laisse. Y a pas de problème. C'est un passe pour le ferry, il y a des embarcadères un peu pensés à la numérique, on peut faire le bateau maintenant. Voilà. Comme dans tous les Pokémon, hein. Voilà. Il doit se barrer et il nous laisse encore tout seul comme des orphelins, voilà. Exactement. En gros, c'est ça. C'est cruel. Franchement, ouais. Oh, la télé. Eh, c'est un scoop. Ah oui. Un Pokémon volant de couleur bleue a été aperçu à plusieurs endroits dans Rennes. Et en télé, ce Pokémon, notre film sort en exclusivité. On s'en fout. Tu as compris, bon, bah, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de la couleur de ce Pokémon? T'as dit rouge, hein Ah bon? Oui. Non, j'ai rien dit. Si, t'as dit rouge. Ah bon? T'as appuyé comme un bourrin sur A, donc t'as dit rouge. Donc ce sera un... c'est lequel? Je sais plus. Tu nous aides? Tiens, Sacha, toute une félicitation pour tes exploits. Stefano, dis-nous le rouge, c'est quelle couleur? Enfin, c'est lequel? Quel est son nom? Mathias. Il me semble que c'est ça, ouais. Mathias. Oh, je sais. Non, c'est la... Si, je crois que oui. Non, je crois bien que c'est la Latios. Alors, c'est lequel qu'on peut avoir dans Ruby? C'est le bleu. Oui, mais je sais, mais il s'appelle comment le bleu? Je crois que c'est la Latios. Non, je crois que c'est la Latias, en fait. Bon, d'accord. Bon, Stefano, toi qui es hors écran, tu peux aller sur Pokémon. Non, je ne triche pas. Oui, parce qu'il faut quand même dire à vos abonnés que vous faites le jeu avec la solution, c'est ça? Non. Non, absolument pas. Non, pas du tout. On l'a juste fait pour la route victoire où M5 était planqué derrière Skype. Non, c'est parce que la route victoire, franchement, j'avais envie de faire croire à tout le monde que je la connaissais par cœur alors que c'était pas vrai. Non, sérieusement, on l'a fait absolument pas avec la solution. Jamais, hein. Ouais. Sinon, on n'aurait jamais fait tout ça. Sauf quand on se mangeait les... Sinon, j'ai la réponse pour les dragons, je me souviens. Ouais, vas-y. C'est Latias le rouge. C'est bien ce que je te disais, tu vois. Ok. Et aussi quand il y avait la brume, on était obligé de se servir de la carte. Ouais, parce qu'on l'a pas. Stefano, présentement là, on veut attraper Groudon et Kyogre. Alors on va voir qui. Attends. C'est Scott. Saveur du barinage, M7001, dis-moi, j'aimerais t'inviter quelque part. Si ça t'intéresse, prends le ferry, vous savez, je dirais plus quand tu seras là-bas. Voilà. Tu vois bientôt. Bon, on fera ça dans une autre vidéo hors série. Mais Stefano, tu vas nous dire qu'est-ce qu'on doit faire là. Ouais. Alors, si je me souviens bien, je précise, je n'utilise pas la soluce, il faut que vous alliez au centre météo, et il y a un gars qui va vous dire qu'il y a soit une tempête de sable, soit une grosse pluie, enfin un truc du genre, sur une certaine route, et après il va falloir y aller, et normalement il y a une grotte spéciale qui apparaît, vous entrez, il y a le légendaire dedans. Ouais, moi je me souviens que c'était ça. Par contre, tu vas pas y aller en marchant, tu vas peut-être voler. Oui, mais je... Oui, parce que c'est assez loin, je crois. Mais je pouvais aller chercher Tropius. Oui. Oh, mais... Drataque à vol. Ah oui, mince. J'avais oublié ça. Donc Stefano, tu vas pouvoir voir notre équipe, magnifique, que tu connais pas. Ah ben non. Vous avez appris vol à Dratak. Tu voulais qu'on lui apprenne quoi? Vous êtes des malades mentaux. Ouais. Tu voulais qu'on lui apprenne quoi? Centre météo, au fond. Une meilleure attaque. Mais genre quoi? Pour le laisser au niveau 55? Au niveau 55, qu'est-ce qu'il pouvait apprendre de mieux? Pas une CS déjà. Non. Oui, mais vol, il l'a appris. Il l'a pas appris par CS, vol, hein. Il l'a appris par... apprentissage. Ah, bon, ça fait le malin, ça fait le fier, hein. Bon, c'est qui? Je crois que c'est à l'étage. Hein. C'est le mec en haut à gauche, je crois. Enfin, c'est un scientifique, ça j'en suis sûr, c'est un scientifique. Ouais, il me semble que bien que c'est à l'étage. D'accord. Ouais, ça doit être ça. Donc, tu vas tout au fond, voilà, comme dans tous les trucs, c'est toujours tout au fond. Ouais, rien que pour nous faire chier. Je crois que c'est lui, hein, y a. Bonjour. Vous savez, on a rejoint dans l'équipement, c'est malade. Sécheresse sur la 115. Sur la route 115, effectivement. Alors. Donc ça veut dire qui veut qui? On va attraper en premier? Tiens, tu te souviens, c'est la route 115? Ouais. Oui. Vas-y, dis-moi. Attends, vas-y, monte un peu. C'est là.
On va voler à Merville. Par contre, vous allez tellement vite sur les dialogues, mais j'ai pas pu voir. Une sécheresse. Si ça allait être une sécheresse. Sécheresse sur la route 115. Ah, c'est gros. D'accord. On savait pas. Oh, non. Merci de nous aider. Ah. Alors, t'as combien de boules? 29. Tu vas peut-être en acheter pour aller jusqu'à 99, on va faire un truc comme ça. Ouais. Bah tu vas les acheter pas à Merville parce qu'il n'y aura pas d'hypervol. Je sais. Donc tu vas faire un petit vol quelque part sympa. Bah. La Ligue. Bah, même Algatia il y en a de toute façon. Algatia c'est plus simple. Hop là, aussi. Voilà, très bien. Tu peux pas essayer de choper des sombres vols? Y'a pas? Je pense pas que ce soit mieux, c'est pas mieux je crois. Hein. Oh je sais pas. Les sombres bols dans les grottes c'est bien en fait. Ouais non. Mais je sais pas. On va garder je pense. Enfin, normalement là tu vas avoir besoin de surf. Ouais, normalement les hyperboles ça passe quoi. Ouais. Oui, bah, moi j'ai eu du tout la copie. Oui, bah voilà, c'est pour ça que je te dis. Enfin je disais ça comme ça. Hein. Alors dis-nous, on monte route 115, mais ensuite elle est où? Parce que c'est grand la route 115. On n'y est jamais allé la route 115 d'ailleurs. Il fait chaud. Il y a un objet qu'on n'a pas récupéré. Oui, mais on n'est pas allé là, il fallait surf. On n'avait pas ça. Ah oui, d'ailleurs, on va faire des dresseurs. Bon, on va les exploser, je pense. Hein? Donc on va par là, Sifano. Hein. C'est ça, oui. D'accord. T'explorons la route 115. D'accord. Donc voilà, moi je pense que c'est... Bah si, on l'a fait, ça. Bon, on regarde ici. Ah non. Donc Sifano, normalement, ça lag grave. Enfin genre tu vois plus rien parce que... Je pense que t'es pas obligé d'accélérer vu qu'on a plus les 15 minutes. Ouais, si, j'y vois. Pour les combats, franchement. Ouais, les combats. Non, les combats, ils comptent des niveaux 18, sérieux. Ouais, j'avoue, bon. Et on a enregistré combattant de Sandrine. C'est cool. C'est magnifique. Et ouais, je pense. Génial. Je pense que c'est par là. Alors attends, fais gaffe. En fait, c'est une petite grotte, normalement. Tu verras, il y a un rocher avec un trou dedans. Si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mes souvenirs sont bons, en général. Ouais. Voilà, on remercie notre père spirituel. Ah, il nous a bien fait marrer celui-là. Hein. Non, bon, avec la troc, c'est même pas la peine. Ouais, c'est pas par là, je pense que c'est là-haut. Non, bah non. Alors dans ce cas-là, il va falloir que tu fasses le tour. Et comment je fais alors? Non, tu fais le tour. Ouais, non, mais je sais, mais c'est pas toi qui donne le nom. Explique-moi comment je fais. Essaye à gauche. Peut-être, je sais pas. Non, essaye en dessous. Ah, moi je sais, moi je sais. Ah, ou peut-être essaye. Je sais pas, regarde sur ta carte si tu peux aller plus loin. Non, moi je sais, moi je sais, moi je sais. Ah, bah là, oui, on rentre dans la grotte peut-être. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Moi je sais. Bah, dis-le. Moi je sais. Tu veux que je dise? Ouais, ok, bah ouais. Tu vas surf. Ah voilà, ouais, c'est ça, tu vas surf à gauche, tu peux monter. Une petite île. Tu peux monter, ouais. Par contre, là, il y a pas mal de ressources. Je sais, elle est rigolote, cette île. Enfin, je l'aime bien. Je sais pas si t'as sorti le repousse, non? Si. Non. Voilà, c'est ça. Tu voulais le combat à double? Ouais. Je veux vite faire... Non, je voulais... Bon, ils sont niveau 26, ils sont pas mieux que les autres. Bon, ils sont un petit peu plus... Un petit peu mieux. Ils sont moins faibles. Ouais. On sort de la ligne, en fait. Voilà. Donc, bon. Pour avouer tous nos abonnés, donc on a fait la ligue il y a quelques minutes. Et on en sort juste. Et on enchaîne avec Sipano qui nous a... Voilà, qui était disponible aujourd'hui, donc lundi 23. Lundi 23 et Sifano il le sait pas encore vu qu'il... Mais il le saura dans la vidéo, il verra la vidéo. Oui mais tu peux lui dire comme ça, il pourra te le dire aussi. Allez. Oh allez. Moi c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah bah bon anniversaire. Voilà. Et donc je l'ai laissé jouer. Ça te fait quel âge? Ça te fait 13 ans c'est ça? Je t'emmerde. Non. Ça te fait 16 ans. Ouais, ah, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bravo. Enfin je l'ai pas encore, je les aurai à 19h20. Je crois que c'est ça en plus là. C'est bien, t'as la majorité sexuelle. Ouais. A tout de suite. Tant enfin, qu'on parle de sexe, hein. Pas bah, tout de suite, moi je pense que c'est dans la montagne. Oh ouais. Des baies. Des baies bizarres. Des baies rigolotes. Ah ouais, vous étiez vraiment pas venu du tout ici. Moi ouais. Non. Non, ah, franchement non, enfin, je sais pas, c'est... Galeking femelle, vous abusez. Quoi? Galeking femelle, oh là là. Ouais bah c'est notre faute. Bah t'avais qu'à en choper un mâle. Je suis pas sexiste. Ah si, ça c'est sexiste, hein. Si, c'est sexiste. Y'a pas de différence entre les mâles et les femelles au niveau de la puissance, hein.
Je sais, mais je suis sexiste pour les femmes. Non, mais moi aussi, regarde. Si mon starter est une femelle, je rigole en direct. Non, je te jure. Moi, si mon starter Ripé à tous nos abonnés filles qui viennent se désabonner. En 2001, genre, j'ai jamais eu un seul replay. Tiens, regarde, il y a une roche là-haut. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mais moi, il m'a rien dit. Ah bah oui, là, on peut pas y aller si. Ah bah... Ouais bah vas-y, essaie de rentrer, je sais plus, explore. On a le vélo course aussi, hein. Ouais bah alors vas-y, peut-être. Bon vas-y, rentre là-dedans, on va bien voir. Grotte Terra. Oh mais tiens donc, ça me semble être ici. Ouais, moi aussi. Tu devrais avoir un petit escalier. Et normalement de la fumée, et puis on va... ça va être de la merde, et puis... Oh oui. Je sais pas si tu vois. Et voilà. Bon, on va essayer d'y aller à l'aveugle. Là, on va y aller vraiment sans map, rien. Oui, c'est vraiment... c'est ce qu'on adore. Oh, vous avez vu ça, c'était magnifique. J'ai pas sauvegardé. C'est non. Idiot. Mais t'as pas l'orbe. J'ai pas... Vous avez... Non, mais j'ai pas sauvegardé. Il a pas sauvegardé. D'accord. C'est précipité comme une merde. Mais je pensais pas qu'il nous agresserait, je pensais que ça allait lui parler. En plus, il est niveau 70. Elle utilise une Master Ball, hein, c'est bon, tant pis. Oula. Dis-moi, t'as vraiment envie qu'on le fasse aujourd'hui? Mais oui, oui. Oui, on le fait aujourd'hui. Ouais. En vrai qu'il est mort. Je crois qu'il a repos en plus. Il me semble qu'ils ont tous repos. Oui, mais tu sais pourquoi il pourra pas utiliser repos? Oh putain. Bon, vas-y, allez, il travaille. Attends. Ouais, Wander. Oui. Bon, là on peut faire péter les balles là. Vas-y. Alors. Allez. Qu'est-ce que t'as? Attends. Allez. Ouais. Elle est passée à attendre. Hein. Sinon, étant donné qu'on va attendre une bonne vingtaine de minutes, ça va toi Sifano? C'est bien la vie, tranquille. Très bien. Oh yeah. Comment t'as fait? C'est le pouvoir de l'accélérateur. Oh mon dieu. Moi je pense que ça c'est l'émulateur. Parce que quand tu vois comment Sifano a attrapé les siens... J'allais dire, c'est comme Sifano a attrapé... Les siens... Ouais. Non mais tu vois, là t'as tout cassé. Parce qu'il était en train de me faire mon petit quart d'heure, j'allais faire mon petit quart d'heure de pub, tu vois, et tu l'as attrapé. Non mais tu feras pour Kyogre. Tiens, si tu veux. Non, en fait, non. Ouais, non, je parlais juste de... Je donne un chargeur à M5 parce qu'il faut un chargeur. Ouais, j'ai besoin d'un chargeur. Excuse-moi. C'est un chargeur de... Oui, Sifano. Juste avant midi, c'est toi qui as essayé de m'appeler? D'accord, non, quelqu'un a essayé de m'appeler. Qui essaierait de t'appeler, voyons? C'est orange, c'est tout, pas rien de... Non, ouais. Bref, donc parce que je sais qu'on parlait vite fait à propos d'aujourd'hui, mais... On va sortir de cet endroit. Quelqu'un m'a appelé, puis j'étais en contrôle d'anglais, donc... Ok, on a même pas... Non, moi j'ai un message de toi à 11h17. Ouais. Ouais, non, bah non, dans ce cas-là... Plutôt que de faire son test d'anglais, il a fait ça. Je t'en ai de VT, je sentais de VT en 11h17. Hein. C'est super... Alors je vous explique quand même, le SMS de M5 à 11h17, donc il était en cours. Non, je venais de sortir de cours. Toujours dispo pour le trip. Je venais de sortir de cours. Mais moi je t'avais donné mes disponibilités, hein, de toute façon. Bah ouais, donc voilà. Mais merde. Tu connais pas la grande sortie, On en a pas. Ah, c'est bon, je trouve. Non, je suis sur le côté, voilà. Vous êtes équipé. Oui, mais je pensais pas qu'il y aurait de la brume. Mais... C'est la faute d'un fight. Quoi, c'est le même mode? Va chercher l'orbe. Ah oui. Ah. Oui, bah, il sort de là. Tu veux que j'aille faire quoi? Je voudrais que tu sauvegardes. Oui, là, on va peut-être... Oui. Et donc, voilà. 70 milliards. 27 Pokédex. T'as vu? C'est pas la classe, ça. Non, mais de toute façon, on n'a pas l'intention de compléter le Pokédex comme toi. Parce que c'est impossible. Enfin. Parce que bon, je veux dire, c'est pas un truc qu'on peut faire en vidéo. On va où, Sifano? Eh ben, tu retournes au centre. C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais bon. On va se soigner. Ouais, soigne-toi vite fait. Alors, je te rappelle, Kyogre sera aussi au niveau 70. Hein. Oui, oui. J'assume. Je pense que Gardevoir sera très utile. Bah il a hypnose quoi, c'est tout. Ouais, mais il a tonnerre aussi. Oui, oui. Kyogre il est de type sol aussi, non? Kyogre il est type... Oh, parce que tout à l'heure, ça fait du tuer. Qu'est-ce que tu disais, pardon?
Je disais, peut-être évite Tonnerre, parce que tout à l'heure, Groudon, t'as bien vu, t'as failli le tuer. En non, Groudon, c'est fait calculer. Je lui ai mis 3 surfs et je savais qu'il le tuerait pas. Quand je lui ai mis un surf pour voir, et ensuite j'y suis. C'est ça. Non, je prends ça. Moi, bah, là, là. 105. T'étais pas à l'abri de... Ouais, mais bon, on est jamais à l'abri d'un coup critique. Par contre, là, la brume, il va falloir que tu nous aides, Siphano, parce que dans les profondeurs, il y en a pas. Parce que de toute façon, pour Kyogre, faut aller en profondeur de l'eau. Ça, je vais pas vers de... Voilà. Et donc, on va avoir vraiment... Oui. Il va falloir scaler avec la brume. Oui, mais t'es censé avoir l'or. Et alors? Non. Et alors? Eh ben, donc, tu devrais pouvoir y voir. Ok. Non, je sais pas si t'as remarqué, la brume, on l'avait même dans le tunnel mer avant au tout début. Hein. C'est un bug du jeu, je pense. Bon, vas-y, déjà, on verra bien. Je sais, tu vas péter un câble. Tu vas... Vas-y, tue-nous. C'est de la provocation, je sais. On va où, si je fais mon cheval 105? Mais lui coupe. Ouais, ok, ouais. C'est moi, ouais. Non, mais t'inquiète, je lui apprendrai bizarre, je suis pas débile. Cheval 105, c'est là. Y'a de la plongée, ça, pour moi? Non, peut-être pas, en fait, sur celui-là. Non, en fait, y'a pas de plongée, c'est encore mieux. Bah, c'est encore mieux, voilà, c'est tout à fait très cool. Non, c'est des petites grottes, c'est bien ce que je me disais. Ah oui, non, ouais, bah voilà, déjà descend. Toujours écouter Sifan. Par contre, là, je crois que vu que... Toujours, j'ai toujours raison. Si, j'ai toujours raison. C'est pas vrai. Non. Si. Oh mon dieu, c'est la dernière repousse. Dernière repousse, j'avoue. On va falloir trouver. Oh, dis donc, il pleut. Lag. Oh, c'est le lag. Ça va, elle est pas grande, la route. Elle est pas... Essayez d'imaginer pour moi le lag. Là, vous montez sur le poisson. Le quoi? Enfin, vous montez sur votre Pokémon là. Ah d'accord. Ah ouais. Attends, on va attendre ici. Tu nous dis quand est-ce qu'on est près du nid là. C'est bon. Ça y est. On s'est arrêté. Oui. Si j'ouvre le menu, tu le vois en même temps que moi. Ok. Oui, c'est bon. Allez-y. Faut le trouver là. Oui, bah je sais. Tiens, hop. Wouhou. On trouve du fer. Pas loin d'ici, il y a une autre grotte. On trouve du fer, on va se faire une pioche en fer. Petite référence à Minecraft. Oh là. Oui, je sais bien. Mais non, on est pas... Attends, descend. J'ai vu un truc. On n'est pas dans le bon chenal. Ah oui, non, ouais, effectivement. J'avais vu un truc. Ouais, exact. Mais voilà. Là, ouais, je pense que c'est par là. C'est parti à gauche. Ouais, ouais, je pense. À gauche. Forcément, de toute façon. Monte. Non, on a plus de repousse. Et un ça. Que tu n'avais pas compté que je... Oh oui. Ah oui, Siphano, les oreilles de Siphano. Aïe. C'est pas grave. J'ai mal aux oreilles. Ouais, c'est pas grave. Chapineau. Bon, ça va, votre équipe est... Enfin, on vient de torcher la ligue quand même, donc de toute façon... On vient de torcher la ligue, tu vas voir, à part le deuxième... Eh, oh. Oui, enfin bon, le jeu, c'est pour les 3 ans et plus, donc un petit de 4 ans, il va... Dis-moi, ton premier World Cool, c'était sur quoi, déjà? Bah voilà, c'est un quoi, un 3 ans et plus aussi, non? Tu peux nous aider, s'il te plaît? Bah oui. Oui, mais moi, je me suis pas vanté d'avoir torché. On l'a pas torché, on l'a fait. On a rien accéléré du tout, on s'est bien amusé. À mon avis, ouais. C'est par là. Non, ouais. Ça, tu sais ce que c'est, ça? Oui, ça, oui, je sais ce que c'est. Merci. Chut! Chut! Pas de spoil. Voilà. Bon, tu peux nous trouver la carte des... C'est la maison de... La maison de quoi? La maison de notre gamer. Ah! C'est... Non, mes maisons, elles sont encore plus moches que ça sur Minecraft. C'est des cubes communistes. Bon. Ah. Voilà. C'est magnifique. Ah. C'est beau. Même la maison est plus belle que la sienne, alors que... Elle est moche aussi. Bref. Bon, on va sauvegarder. Ouais. Et s'il te plaît, là, franchement, c'est un bug de carte, là. Ouais, faut vraiment que tu nous aides. Donc, s'il te plaît, Siphano! Mais ça, je sais pas. Oui. Mais je te dis que c'est un bug de carte, on a besoin de la carte. Tu me comprends, celui-là? Donc, si j'ai besoin de la carte, je prends la carte, c'est tout. Ouais, ouais. Bah oui. Mais ils peuvent pas voir que je vais sur Pokébip. Que je vais sur... Petit, c'est vrai. Vas-y, fais voir. Oui. Merde, fais chier.
Bah t'as peut-être. Ah oui. Ni moi ni moi. Attends, je vais sur la solution du jeu, sur. Voir les cartes disponibles. Ouais, j'ai des doutes, hein. Chenal 105. Route 105. Non mais c'est pas la route 105 sous-marine. Ah oui, c'est écrit. Ah oui. Oui. En plus, voilà. Pas mal. On va virer Stefano parce qu'on s'en fout. Sinon. Alors. Alors, ouais. Attendez, on va remonter. Non, on peut pas, d'accord. Je me souviens à peu près. Ouais, voilà, bon, voilà, tu le vois, c'est très bien. Attendez, je dirais là. Mmh. Moi aussi, je dirais là, tu vois, par hasard et par contre, c'est pas. Vas-y, des 4 sur le côté un petit peu, là, tu montes tout droit, c'est bon. Non, tu peux pas. Ah, c'est bon. Ah, je me voyais pas là, tu vois. Ah, et voilà. Alors, et ensuite, on fait comment? Ensuite, on est là, je pense. Ah bon? Ouais, je pense que c'est ça. D'accord. Voilà. Non, ouais. Je peux pas tourner à droite. Ah non, c'est parce que. Oh, faut que tu descendes là. Non, c'est pas ça. Non, il a raison, mais. Non, je peux pas. Je peux pas monter. Bah, tu remontes tout bêtement alors là. Tu peux pas? Non, je peux pas monter là. What the. Attends, je suis bloqué dans une embranchure de 3 pour ce qui est de monter. Le seul endroit où je peux. Attends, c'est quoi ça? Vas-y, descends, je viens. Oui, moi aussi j'ai vu là. Des cas, c'est... Voilà. Mais on est où là? Normalement on est là. Effectivement. Attends. D'accord. Ah non, d'accord, on est là-haut. Mais non, ça va d'où on vient. Oui. Ce qu'on a fait. C'est bizarre. Voilà. Bah non, dans ce cas-là, on vient pas de là. Si on est là, regarde. Là j'ai 3 d'épaisseur et la grotte est là. Donc normalement on sort. Et là tu remontes, je pense. Je peux pas monter. Normalement, d'après la carte, on peut pas monter. Notre... Non, d'après la carte, c'est pas ça. Ah, je remonte. Voilà. Voilà, fallait trouver le truc. Ok, et là on peut. Voilà. On va percevoir. Voilà. Notre marine. Je confirme, c'est bien là. Il sauvegarde maintenant. Ah. Cool. Ah, donc évidemment, bien. Je pense qu'on va faire magie de l'accélérateur. On revire Stefano. Voilà. Parce que voilà. J'ai dit on revire Stefano. Je te virais parce que t'étais sur la fin. T'étais sur la fin de nous. Donc là on regalère un peu mais c'est pas grave. Ouais, je pense que ça va aller. J'ai sauvegardé. Ouais. Ok, tu ne l'aurais pas vu. Alors pouce vert pour les pour la super fumée, s'il vous plaît. Ouais. Ou pouce rouge pour le manque. Ta gueule La préparation c'est toi hein. On t'a dit que tu ferais tout. Donc c'est pas. On te reproche toutes les. C'est pas moi qui les commande. Il se passe des trucs, là. On avance tout doucement, c'est fun. On approche... Enfin, non, on te reproche tout. Ouais, en fait, ouais. Tout est de ta faute. Il est totalement pas... Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ah, non, d'accord. On avance pas du tout. Non, oui. C'est toi qui te tapes des délires. Tu vois. Tu t'amuses? Non, je suis pas mais. Ah, oui, un peu horrible. J'espère que vous appréciez ces petits moments. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste ces petits moments où on galère comme des. Ouais. Mais je suis pas sûr. Mais non, il ne veut pas aller sur Pokémon. On a déjà fait ça. Oui, on ne veut pas aller sur Pokémon. On réfléchit. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors je précise, moi je suis en partie de l'écran et je vois tout l'écran. Alors, t'as bon Youporn. Non. Bizarre, ouais. Bon. Ah, t'as de belles références. Ah, voilà. Bon, t'as de belles références, un trou. Voilà. Bien. Et j'ai pas pris de corps sorti, évidemment. Évidemment. Oui mais c'est pour ressortir. Là c'est pour le casse. Évidemment j'ai pas pensé à mettre le bon Pokémon en lead. Non s'il est pas trop mal. Ouais ça peut aller. Ouais il va se faire démonter par les Lazarglas mais enfin, surtout qu'il a glace. Yes. Ok alors lui il est trop intelligent. Ouais. Ok. Bon ok ouais. Correct. Hein. Oui. On peut lui en mettre 3 ou 4. Je pense que 3 ça. Ouais. Je pense que 3 sera bon. Si je pense que si on... Je pense qu'il nous demande... Ah non. Ouais, même peut-être deux parce que... Ah ouais, il va se blesser. Oui, il va se blesser. Oui, surtout qu'il va sûrement nous en refaire une, il va se blesser. Ouais, t'inquiète. Donc, vite. Ok. Donc ça, voilà. Ok, bon bah on va applaudir notre gamer. Et c'est ma faute s'il y a des coups critiques. D'abord. Bref, voilà.
Ouais, c'est peut-être ça. Donc on recommence, c'est parti. Coucou mon gros. Vous allez connaître les coups critiques, s'il te plaît. Vous allez connaître les joies du reset incessant. Oh, shiny. Non, si le shiny, franchement, je l'achète à Master direct. Ah oui, là, il y a pas de problème. Déjà que sur mes versions consoles, j'en ai aucun. À part les Viator rouges. Dans Emerald, j'étais devenu fou parce que j'étais tombé sur un Grey Nain. Et au moment où j'avais voulu l'attraper, il avait fait hurlement, c'était incroyable. C'est sûr, c'est pas rare. Il est rare en fait, Grey Nain Shiny. Ah bon? Oui. Il est rare, Grey Nain Shiny. Moi, je sais. Voilà. Personnellement, je ne m'amuse pas à collectionner les... Moi, je m'amuse pas à les collectionner, mais j'ai même pas eu la chance. En, je sais pas, 500 heures de jeu en tout depuis l'introduction des Shiny, de tomber sur un Shiny. Un seul. C'est quand la première... À part l'aviateur rouge. Ouais, mais bon, tout le monde l'a, celui-là. Non, je connais qu'ils l'ont pas, hein. T'es pas obligé d'aller l'attraper. Oui, t'es pas obligé. Non, t'es obligé d'aller le taper. T'es obligé d'aller le taper, ouais. Là, je le mets à méga 100. Ouais. Bon, là, il me tue, de toute façon. Il se fait mal. Par contre, tu sens qu'il va faire repos. Tu l'endors. Bah oui, comme ça, il peut... tu tapes après. Comme ça il peut pas faire repos. Je tape à quoi là? Je sais pas, t'as pas un petit truc pas très... Non. Sûr de... Genre un choc mental, non? Non. Bon, M5, tu prends toute la responsabilité s'il meurt. D'accord. D'accord. Bon, si ça veut... Puisque ça va être long, cette fois-ci, tu peux nous parler de toi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, ça? Je sais pas, c'est lui qui voulait. Non, je sais pas. Ah, attention, il s'est réveillé. Bon, ça c'est fait. Hop là. Et c'est à combien de pp Damoclès? C'est une bonne question que l'on va poser à Sifano. Ah, Sifano. Voilà, tu nous dis combien de pp à Damoclès, qu'on sache. Sauf qu'il les utilise d'abord. Combien de pp à Damoclès? C'est une bonne question. Il doit y avoir 20, je pense. Ah, je dirais 15. 15. Oh, c'était faux net. Ça c'est fait. Donc excusez-nous pour le petit. On cherchait dans notre mémoire. N'est-ce pas, Sifano? Tu peux témoigner? Oui. C'est bien, il nous couvre. Ça va. Il est gentil. Qu'est-ce que tu fais? Oh non. Toujours. Je dis pas que tu cherches un cul. Oui. Je m'occupe pas. Je vais essayer de pas faire de bruit. Là. Je vais essayer de pas faire de bruit. Donc M5 est en train de cuber. Enfin, il est en train de sortir le cube en tout cas. Ouais. Donc bon. Ah, j'ai oublié un dé. Ah. Et d'abord il a fait être champion de France. Un qu'il est trop fort. Ouais. Un que c'est le meilleur. Un après moi. Hein. Bon, on vient de se manger une glaciation assez mignonne. Qui fait bah. Vas-y. Je vais la sentir passer. Ah bah oui, je l'ai senti passer, ouais. Bon, bien profondément même. Avec quoi on pourrait le taper, Kyok, tiens? Je sais pas, avec ta mère? C'est rigolo, ça. Ouais. Il est juste haut, en fait. Ah, il me semblait qu'il était de voir. Et non, donc garde voir. Bah voilà, c'est une magie. Il est chiant avec Damoclès, en fait. C'est bien comme attaque, mais... Mais pas sur Kyok. Pas ouais. Quand tu dois la frapper. Ouais, c'est sûr. Et là, fini. Non, même pas. Pas du tout. Il a une bonne défense. Ouais, donc Sifano, ça va toi, à Marseille, tout ça? Ah, il fait beau, il fait 33 degrés. Là. Il fait beau. Moi, je sais pas, j'ai tout le temps les volets fermés. Sale geek. Non, mais ouais. Et pour l'IRL, vous me faites quand finalement? Vous avez déjà décidé ou pas? Non, pas du tout. On verra. Si vous vouliez le faire joueur fin juin, ce serait bien. Ou fin août. Non, je pense pas. Avec Léon, on en avait discuté, ça serait plutôt ouais, fin août. Ouais. Fin août, ah, ça va. Fin août, y'a pas de problème. Moi, ça me va très bien. Enfin, je pense que ça va. Oh oui, vous pouvez faire le 24 août? On verra. C'est mon anniversaire. On verra. Évidemment, on est fait un repos. Tu nous invites tous chez toi pour ton anniversaire. Il n'y a pas la place. Et ensuite, crève. J'aime bien. Ça va, t'as pas la place pour 624 personnes. Ouais, c'est marrant, je pensais qu'il y aurait 624 personnes. Sans vouloir te décevoir. Hein. Non, je sais. D'après toi, selon... Mais quoi, mais non, d'ici août, bien sûr. Selon toi, si tu fais une IRL, il y aura combien de personnes? Je sais pas, 15. De quoi? Si tu fais une IRL, il y aura combien de personnes? 15.
Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on m'a dit, enfin, beaucoup de personnes se disent intéressées. Donc, je sais pas, étant donné que beaucoup de personnes qui me suivent, en tout cas, habitent par Paris, déjà je pense que c'est une bonne majorité de ces personnes. Je sais pas si on peut monter facile à 20, hein. Facile. Après, je sais pas. Hein. Bah, dis-moi. J'ai jamais fait ce genre de truc, mais je sais pas du tout. On pourra venir dans ton jardin. Moi, je veux aller dans ton jardin. Je vais aller dans ton jardin. Non, mais c'est-à-dire que c'est proportionnel au nombre d'abonnés que j'ai, tu vois. Là, j'en ai 620. Donc après, sur 620 personnes, combien seraient susceptibles de venir, tu vois. Donc, je sais pas. À voir. Tu galères, hein, trop. J'essaie de le geler. Ouais, il galère, il galère. Ah, ouais, la grosse galère. Alors là, tu vas aller. Là. T'as même pas lancé une molle depuis le début. Hein. Oui, non. C'est bon. Moi je sens, tu vois, que on va donner rendez-vous à Stefano pour un prochain jour quand il aura un peu plus entraîné. Mais pourquoi tu sors pas? Ah bah non, c'est vrai que ça aurait été con. On aurait quand même dû commencer par capturer Kyogre. Il aurait bien tapé Brodon. Oh. Mais il y a des glaciations, il les rate pas aussi. C'est n'importe quoi, c'est d'accord. Oui, c'est n'importe quoi, je suis d'accord. Normalement il doit rater glaciation. Mais il nous met trois glaciations dessus, il craque trois glaciations de suite là. Et ça a combien de PV déjà? 5 je crois. Ou 10. Ou 5. Je pense plutôt 5 en fait. Voilà, ça me va. Je vais gaspiller toutes tes herbes à rappel, ça va être beau. Bon, on va faire péter le garde-voir. On va faire péter l'hypnose. Mais putain. Mon dieu. Oula, ouais, vas-y, mitraille. Oui, non, mitraille, ça y est. Allez, mitraille. Et c'est la faible. Ah, bon, oui, bon, là, quand même. Magie de l'accélérateur. Attention, magie de l'accélérateur. Non, ça marche pas. Et voilà, merde. Que tu fous, bordel de merde. Je le tape à tonnerre. Le mec il se réveille pour faire rebond. Bah il est con. Hypnose. Oh non, il dort. Bah vas-y tape-le. Non. Enfin balance la balle, c'est ça que je veux dire. A la fin j'utiliserai ma chronoball. Le mec il se réveille pour faire des rebonds, je vais plus avoir de tonnerre, ça va être drôle. Bah t'as 10 huiles. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre en fait. Il y a rigolo. Là j'aurais eu le temps de faire mon quart d'heure de pub en fait. Oui bah tu devrais, vas-y. Tu fais quoi sur ta chaîne tout ça? Bah ouais. Je sais pas trop quoi dire, que dire. Voilà. On présentait un petit fano. Ouais il m'a fait croire en plus. Bah ouais, faut que si c'est à 3 ça fait croire. Ouais gros chanceux. Non, non, bah non parce que quoi qu'il arrive de toute façon soit il fait repos, soit il m'achève. Mais c'est la faible. C'est la faible ball. Mais c'est. C'est une bonne idée. Oui, Stefano, oui. Vas-y. D'accord. Il a hydrocanon, hein. Je sais pas s'ils a tout déjà sorti. On parie qu'on meurt. On va mourir comme des bites. Et je pèse le mot. Si ça marche, je t'aime. Oh, dommage. Du coup, quand même. Moi, je t'aime déjà, mais... Par contre, tu m'énerves avec cette Damoclès, là. Oui, il va se suicider. Il va se suicider comme une bite. Bêtement. Oui, la master. Bon, voilà. Ouais, non, là c'est pas de ta faute. Eh, franchement, le coup critique non plus, c'est pas de ma faute. On va y arriver. Ou pas. D'accord. Qu'est-ce que c'est D'accord. Alors, franchement, faut qu'on trouve un sujet de discussion parce que là... Que pas. Là, c'était bon. Là, c'était bon. Que penses-tu de l'affaire Bosca? Voilà, c'est un truc polémique. L'affaire de Dominique Strauss-Kahn. Que penser de l'affaire Dominique Strauss-Kahn? J'en pense beaucoup de choses, mais en tout cas, ce que je suis quasiment sûr, c'est que maintenant, politiquement, il est grillé. Oui, ça, je pense que... ça, c'est... T'es pas le seul à le penser. Ouais. Ah là là. Et que penses-tu de Carla Bruni, qui est maintenant enceinte? Moi, je pense que ça va le faire grimper dans les sondages, le petit nain.
Ouais, c'est possible. Mmh. Ouais, je pense que les hommes politiques devraient arrêter de jouer avec leur bite. Hein. Ouais, ça va, c'est sa fin, finalement. Tu peux parler, toi. Je t'emmerde. Tu sais rien sur moi. Si, que tout le monde me promet. Quoi? On m'a raconté des choses sur toi. Qui? Ah, je ne dirai pas. Qu'est-ce que t'as dit? Il dit que de la merde pour nous monter là contre nous. Non, non. Non, ça va, je suis très gentil, moi, pas comme vous quand vous me démolissez dans vos vidéos. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'il faisait que des fails, bon, d'accord. Et à part ça? Et à part ça, on fait aussi. Oui, tu peux dire. On fait des jolis fails. Sinon, la vidéo, vous avez fait croire que c'était vous, mes hackers. C'est pas nous qui te démolissons. C'est pas contre toi. Oh oui, tu disais. Tu disais, oui. Non, mais ça, c'était pour déconner, c'est bon, c'est... Je sais. Chez Blowball. Promis, je la mettrai, ouais. Je la mettrai quand j'aurai fait mieux. Séisme, oui. Tu veux que je tape à quoi? Explique-moi, que de faire, d'accord. Ouais, d'accord, force. Ouais, éventuellement. Non mais tes Pokémon ils sont pas au niveau, c'est ça? Mais ça va, on a attrapé Groudon. C'est Blowball. Ouais, c'est vrai. Mais pas mal, Blowball. Ah si. Non, on l'a attrapé à Hyper. Sinon, t'es connerie. Quoi, qu'est-ce que t'as Oui, tu disais, tu fais non? Non, je disais, sinon on balance la Master. J'allais le dire, ouais. J'y pensais. Mais bon. Mais bon, après tu vas en baver pour les autres. Ouais, on va pas pouvoir capturer de Magikarp. Ouais. Bon, ah, parfait, ça va. Quoi. C'était classe. On est sur un DLC que t'es classe. Bon, ça c'est fait. Oui, parce que pour ceux qui écoutent la vidéo, j'ai fait un walkthrough sur Pokémon Bleu et j'ai utilisé ma Master Ball sur un Magikarp. Voilà, après avoir attrapé les 150 Pokémon. Oui. 151. 151, excusez-moi. Oui, voilà. Sur mon ancienne chaîne, qui n'existe plus. Ouais, est-ce que t'as encore les vidéos, je me demandais? Eh non, je les ai plus. Ah. C'est con. Alors que... Mais, je sais pas, c'est con, on aurait pas dû les supprimer. Alors que moi, j'en ai pas mal, quoi. Encore. Ouais, faudrait que je les mette sur un disque dur externe, un truc comme ça. Bon, je les garde sur mon disque dur, de toute façon. Ouais, de toute façon, vu que tu les... Tu les édites. Mais de toute façon, là, je vais commencer mon walkthrough sur Zelda, et après, peut-être que plus tard, je referai sur Pokémon, je verrai. Est-ce que t'as deviné c'était quoi notre walkthrough, d'ailleurs? Oui, je sais, mais je vais pas le dire. Ah oui, c'est vrai que tu le savais déjà. Tu veux dire. Est-ce que t'as regardé les indices? Non, mais je sais ce que je sais. Est-ce que tu regardes nos vidéos, histoire qu'on sache si on doit être déconnecté ou pas? Quoi? Est-ce que tu regardes nos vidéos, déjà? Mais oui, je regarde vos vidéos. Comment t'as pas entendu les indices, alors, hein? Mais je les regarde pas toutes. Ah, voilà. J'ai pas mal d'épisodes. Non, mais non, je t'explique. J'ai pas mal d'épisodes de retard. Et d'ailleurs, c'est quoi cette histoire d'indice? Vous me copiez ou vous faites comme sur qui donne pas d'indices sur les jeux, franchement? Voilà, c'est un. Donc vas-y, donne tes indices là pour voir. Les indices, c'était Look at the Stars. C'est les premières paroles des chansons de Yellow de Coldplay. Voilà, groupe référence. Ouais. Ouais. D'accord. C'est un jeu qui est sorti sur 3 consoles. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est un jeu qui est sorti sur... C'est bon, j'ai le jeu. Ah bon, là, ça alors. C'est un jeu qui est sorti sur 3 consoles, c'est un jeu Nintendo, c'est... Je peux dire ce que je pense? Non. D'accord. À part si c'est pas celui-là, parce qu'on sait très bien que tu le sais déjà, toi. On a donné des nouveaux indices. Oui, parce que c'était M5, il était venu sur une de mes vidéos, parce que j'avais fait ce jeu en rétro gaming, il était venu comme un fou, il me fait... Non mais attends, t'es en train de... Excuse-moi, mais là tu viens de leur dire j'ai fait ce jeu en rétro gaming. Ils savent déjà que c'est un D3, tu te fous de ma gueule. De toute façon, on va faire, donc on va reset et puis on va mettre cette partie-là. Mais moi je vais mettre toutes les parties en appel. Mais j'ai fait plein de rétro gaming et beaucoup de jeux Nintendo. Plein de rétro gaming. On a fait 3. C'est facile de faire le tri et de faire par rapport aux indices. Tiens, d'ailleurs, sur mon PC, j'ai... Arrête avec ça, s'il te plaît. J'ai vraiment 3, je comptais faire un rétro aussi. Tu comptais pas faire de rétro sur Rayman 3? Ah, il en est à lutte, tiens. Tu sais, je l'ai toujours pas attrapé depuis tout à l'heure. Mais il en est à lutte. Ah ouais. Quoi? Il a lutte, là. Il fait lutte, donc là, il est mort, en fait. Vas-y, tente. Ah, bon. C'est mort. Dernière chance.
Mais Lutte, c'est pas. Ouais, Lutte, c'est censé le tuer, normalement. Oui, mais ça va le tuer. Merci, Blue. Oh, oh non. Oh non. Épique. Épique. Oh, ça, c'est épique, ça. Oh, oh là là. Ça, c'est magnifique. Oh, j'espère que t'as vu ça, Steve. Ah, oui, j'ai vu. Ça, c'est épique. Faudrait muter la partie où il parle de son rétro gaming. Oui, on va être obligé de te muter sur ton rétro. Ah non, parce que là. De me muter. Ou alors, bah non, parce que de toute façon, on avait l'intention de mettre les trucs alors qu'on avait déjà démarré la saison 2. Oui, c'est vrai. Bah voilà, donc dans ce cas-là, on peut déjà le dire alors. Oui, en fait, tu peux même dire c'est quel. Voilà, tu peux le dire maintenant parce qu'en fait, on avait oublié qu'on allait démarrer on allait faire diffuser les hors-série pendant la saison 2. Donc voilà, tu peux déjà sortir ton truc si ça t'éclate, de toute façon, tout le monde le sait. D'accord, ok. Mais Ah oui, donc là, l'épisode, vous attaquez direct la saison 2, en fait. Ouais, on va l'attaquer dans pas longtemps, quoi. On va pas diffuser cet épisode tout de suite. On a l'épisode 1, en fait, déjà. Donc voilà, au cas où les gens n'auraient vraiment pas remarqué, on fait cet épisode, voilà, un peu en avance. De toute façon, on fait toujours nos épisodes en avance. D'ailleurs, Stéphano, tu ne le sais pas, mais on a déjà fait le premier épisode de la saison 2. Ouais, d'accord. Et alors, t'as combien d'étoiles? Je sais pas, on s'est arrêté à 5. Ouais, 6, 5 ou 6, voilà. 6. On les fait par tranche de 5, 6. Parce qu'on a fait le premier tableau jusqu'à 5 étoiles et on a montré le deuxième tableau en fait. Voilà, on s'est arrêté là. Parce que on peut plus continuer dans le premier tableau sans faire des étoiles qui sont pas celles qu'on est censé faire. Et comme on veut quand même faire les étoiles dans l'ordre, voilà. Ouais. Ah là là. Je suis totalement paumé, ça me saoule. Tu peux pas faire carte de sortie? J'ai pas de carte de sortie. Non mais putain. T'as pas un gars qui a téléport ou quelque chose. T'as sauvegardé j'espère. Oh non, pas encore. Ah s'il te plaît, parce que là, c'est quand même assez épique. Hein. Oui. Non, je sais pas. On va aller taper le Rayquaza, hein. Ouais. Par contre, tu prends le kiosque et le groudou dans l'équipe. Bon, attends, excusez-moi, mais là, franchement. Il y a pas moyen. Non mais sérieux quoi. Tu vas taper le Rayquaza. Non mais je suis oublié là. Ouais. Mais l'épisode fait combien de temps là, tu m'expliques? Bah je sais pas, il va peut-être faire une heure. Ouais. Une heure et demie. Ça va bientôt faire une heure, ouais. C'est pas grave. Enfin, personnellement, on a plus que 15 minutes, donc Ouais, c'est clair, faut fêter ça. D'accord, donc c'est comme ça qu'on est censé. Bah je sais pas, au cas où tu le saurais pas, je crois qu'on te l'a dit, la vidéo de la ligue fait une heure. Ouais, tu me l'as dit. Ouais. Qu'est-ce que vous allez voir là? C'est bon, hein, je sais comment. On a pas regardé comment sortir de cette grotte de merde. Je cherche un plan précis de la grotte marine parce qu'on est paumé dedans. Et pour Gabi, piété, hein. Mais pourquoi vous avez ce bug de carte? C'est quoi ce bordel? Mais je sais pas, on n'est pas les seuls. Quand tu tapes bug fumé Pokémon Emerald, il y en a plein. Enfin, plein. Oh là là. Vous auriez pu faire gaffe, hein. Comment tu voles la grande ville? Vous auriez pu, je sais pas, vous renseigner un peu sur le jeu que vous preniez avant. Quoi? Rien compris. Vous auriez pu vous renseigner sur le jeu que vous preniez. Bon, j'y ai déjà joué, moi j'ai déjà fini 3 fois. Moi j'avais pas de bug, moi. Merde, là on part dans les golems. Vous êtes pas vernis. Dans les golems. Je sais pas si je dois te féliciter pour ce jeu de mots pourri. Oh, enfin. Je sais pas si je dois. Ouais, dis-moi. Non, franchement non. D'accord. Non. Bref. Faut pas nous féliciter pour nos jeux de mots en général, de toute façon. Ouais. Donc là. Non, je félicite rarement pour le jeu. Je suis très méchant. Nos jeux de mots sont nuls de toute façon. Donc. Non, c'est vers la gauche. Je crois. Ouais, c'est ça, et puis tu décales et puis tu remontes. Cal. Non, il n'y a pas de porte. C'est tu t'amènes là et puis là tu remontes. Genre vers là, tu regardes, tu vas dans le coin et puis tu montes, regarde. Voilà. Je cherche. Yes. Bien joué. Ouf, donc Sylvano, le torrentiel s'est arrêté. Comment on fait maintenant pour aller voir notre ami le serpent vert? Comment tu fais pour aller voir le serpent vert? Le serpent vert. Bah il faut que il te faut le vélo, il me semble. Oui, le on ça. Ouais, déjà, si on l'a. Il faut que t'ailles à Pacific Hill, je crois, comment ça s'appelle. Ouais. En gros c'est tout, on y va tranquillement quoi. Bah oui. En théorie. En théorie.
faut que tu ailles, ben, il faut que tu ailles à la tour céleste. D'accord. Au pilier céleste, non? Ouais, c'est ça. Tu viens de failli, encore une fois. Tour céleste. Non, c'est le pilier. On varie? Non. Tu vois? Waouh! Ah oui, j'adore cette vidéo. Ouais, elle est bien. Mais c'est parce que j'aimerais bien vivre dans une... Moi, j'ai pas, même pas moi. T'as qu'à faire la même ville, mais sur Minecraft? Ah ouais. Mais je crois qu'on veut déjà faire une ville sur l'eau, hein, sur notre serveur. C'était pas sous l'eau? Sous l'eau, ouais, peut-être sous l'eau. Sous l'eau avec de la glace, avec de la des vitres, un truc comme ça. Quoi. Ouais, bien compris. Puis les célestes, c'est parti. Maintenant, bonne chance pour Merci. Ouais, parce que c'est trop qui joue, donc je lui souhaite bonne chance. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que... Ah. Merde, j'avais oublié ça. Et puis t'as plus de repousse, hein. Ouais, j'ai probablement plus de repousse. Hein. Bon bah tu fais fuite. Ouais, mais t'as peut-être des super, non? Des super robots, des trucs comme ça. Non, pas. Ce serait trop beau. Vive l'accélérateur, j'ai envie de dire. Bon, par contre. Ouais, c'est clair. Et fais gaffe parce que tu risques de tomber sur un shiny et puis... Bah. Hop, la fuite. Voilà, ça c'est les petits fails de l'accélérateur. Alors fais gaffe parce qu'il y en a d'autres en bas, donc tu te décales sur le côté. Voilà. Alors fais gaffe parce que là, regarde, si tu regardes bien, hop, voilà. Tu vois, donc va falloir que tu fasses un virage. Je vais. Oh là là. C'est le PGM. Le coup de la bicyclette. Oh. J'avoue, pourquoi ça marche pas l'accélérateur pour passer des trous? C'est la triche. Ne sais pas. Voilà. Alors là, faut que t'avances et après faudra que tu remontes vers le haut ou que tu redescendes, je sais pas trop. En gros, ça va. Direct. Non, là c'est mort. Là c'est mort. Non, c'est pas... Ah si, c'est par là. Si, c'est... C'est la partie, oh, la... C'est la partie la plus dure. Branette. Un branette. Oh, j'ai pas dit branette. Mais... Ah mais non. Il faut que tu dégages sur le côté. Je sais. Encore. Ouais, parce que tu rajoutes une lettre. Pardon. Merci Links de Serre. Ouais. Je sais pas si tu connais, Stefano. Si, bah si. Quoi, je sais pas, le point culture. Ah oui, le point culture. Non, faut que tu, faut pas je tu... sais, je sais. Ouais, tu... Non, non, mais je savais que ça ferait ça. Je savais. Bah oui. Boulet. J'ai tenté le truc de fifou là. Ah mais ouais, non, faut pas les tenter les trucs de fifou. Ouh, mais putain, mais t'arrêtes. Tu fais ce truc sérieusement. Je te rappelle qu'on a cours dans 40 minutes. Oh mon dieu. Vraiment. Cours du PS en plus, sérieux. Ah ouais, non. Ça va, c'est oui, facile. On fait un balle. Ouais. C'est bien. C'est rigolo, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai raté, lâche-moi. Oh ok, d'accord, je parle plus. Non mais j'ai raté, c'est bon. Ah, non, si tu parles plus, personne ne regarde. Ouais. Là. Pourquoi tu penses qu'ils sont... Mais non. Tu vas voir, hors série, The True Gamer, M5, Stefano. Vas-y. Quoi? Vas-y. Non. Si. C'est moi qui joue. Vas-y. Bon. Ouais. Ouais, je suis plein, toi. Oh, attends. Tu parles de quoi? Vas-y, passe-moi la manette. Bien sûr, vas-y. On est pas en manette. Donc là, voilà, là je vous explique, c'est moi qui joue là. Hein. Vous allez voir, je vais réussir là, tout de suite. Vas-y. Oups. Hispano, tu es nul. Tu m'as même pas mis la bicyclette. Non, là, c'est moi. Moi qui joue, voilà. Et là, voilà, tu vas du deuxième coup, je te... C'est pas faux. Et ce n'est pas Hispano qui a joué. Hein. Non. Si, c'est moi. Je suis leur père spirituel. Non, tu n'as rien appris du tout. Ouais. Non. Tu nous as appris à faire quoi? Tu sais que Staline et Adolphe, ils ont été des...
des pères spirituels pour beaucoup. Donc en plus. Bah allez, vas-y, va t'attendre. Tu, ouais. Tu peux avoir le même sort que si tu veux. Ouais. Personnellement, niveau sort, je préfère celui de Mussolini. Hein. Niveau dictateur, Mussolini, il a pris beaucoup plus cher. Hein. Et voilà, on vous laisse ici et on va... Et voilà, donc on va se quitter à la prochaine. On me... Non, je déconne. Ah, tu veux savoir, ça veut dire que j'étais crédible. Oui, mais lui... Non, mais lui, c'est parce qu'il a hâte de se barrer. Il marre d'être avec nous. Mais c'est pas grave, hein. Non. J'aime bien toujours, c'est un Rayquaza sauvage apparaît. En fait, comme si on avait plusieurs. Je vais quand même faire ça en fait. Vitesse extrême, ouais, elle est un peu chiante elle là. Hein. Par contre, lui, je crois pas qu'il ait de Damoclès, donc ça va être plus pratique. Non, par contre, il a des repos. Il a repos, ouais. Ouais, par contre, il a repos, hein, faut pas. Ça, je me souviens. Il a vitesse. Ouais, mais il en a 5 PP, vitesse extrême. Là, il est en mode. Wouh oh ah, c'est beau. Bon, bah, c'est bon à savoir pour les prochaines fois. Ouais. Parce que de toute façon, on va bien recommencer plusieurs fois. À moins qu'on le capture du premier coup. Non. Dommage. Bon là il nous viole la colère. Ouais colère ça c'est bizarre. Ah oui voilà il a lui. Son défaut c'est qu'il a colère après devenir conflit. Ah oui c'est vrai. Ah oui. Ah mais ça va ça va. Donc il peut aussi. Pourquoi je le tape à tonneur moi. C'est chiant j'ai envie de dire. C'est pas les joueurs d'accélérateur, il était confus, il s'est fait mal. Enfin bon. Enfin quoi. Il s'est déconvenu, il s'est fait mal. Ouais. C'est un boulet aussi, hein. Une des premières choses à faire, que je veux faire, c'est ça. Faire quoi? Le paralyser, mais il veut prendre. Il va prendre. Il prend pas. Laser glace, est-ce que ça va remarcher comme l'autre fois? Oui. Normalement. J'adore la logique de Pokémon. Franchement. C'est tellement dommage. Le gars qui s'excite sur son clavier. Voilà. Ah mais. C'est pas un clavier. Si c'est un clavier. C'est ça que ah non ça. Ah oui c'est le bruit. Vas-y refais le bruit. C'est ça que dont tu parles. Oui. Bah ça c'est le cube de M5. En fait. D'accord. Parce que je sais pas si t'as déjà vu sa chaîne M Cuber Fail. Si. Si bah voilà. D'ailleurs t'as une deuxième chaîne même. Oui. Oui. Il s'est pas fait de pub. Oui, j'ai rien sorti depuis un moment. Bon, je ne donnerai pas d'explication, point. Pourquoi t'as rien sorti? Je ne donnerai pas d'explication. Ah, merde. Moi, j'aimerais bien savoir aussi. Donc voilà, si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir ces deux chaînes magnifiques, merveilleuses. Lâche. Non, elles sont très bien, Michel. C'est quand, au fait, c'est quand que vous faites un beau background? Eh, oh. Pour le moment on s'en fout un peu. Tu vois on va lasser à la saison 2 donc on va changer je pense. Et je sais pas bon il est endormi en rouge. Moi, c'était ma dernière hyperbole, il était en orange et il était endormi grâce à son repos. Et je l'avais eu. Et c'était magnifique. Ouais, le plus magnifique c'est quand même notre Kyogre. Notre Kyogre est beau. Ouais, non ma. Ah si bah mon Dialga sur diamant, je l'ai capturé avec ma dernière hyperbole. Et j'avais pas sauvegardé avant, si j'éteignais je devais redémarrer depuis le début de mon tournée, enfin bref. Ouais pareil. Et j'ai un pote Moi j'ai juste utilisé un Master Ball. J'ai un pote, il l'a affaibli, genre il lui a enlevé, je sais pas, il était dans le bleu, un truc comme ça, il dit tiens je vais essayer l'hyper ball le premier coup capturé. Le bleu? Ouais. Genre il était dans le vert, pardon. Tu vas suffire la Pokéball. Suffira oui ça s'est passé Le Mewtwo tu l'as eu à la Super Bowl aussi je crois non? Ouais. Je crois que ouais enfin bon ça c'est C'est le talent. C'est pas du talent, hein. Mais putain. Bordel. Master, sinon. Ouais, mais non. Voilà. Non, franchement, non. Mais tu peux en gagner une deuxième, de toute façon. Bon, enfin, on a un peu la flemme de spammer le... Oui, le, la loterie, hein. Si tu vas par là, on peut en gagner 20 000, aussi. Hein. Bah oui. Mais oui, bien sûr. Ne cherche pas, ça ne marchera pas. On peut l'attraper quand il est en vol ou pas? J'oublie à chaque fois. Je crois pas. Ouais, c'est avec une Pokéball en verbe. Ah si on peut. On peut. Oui, tu peux, c'est tout à fait logique.
Oh. 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 C'est pas beau, mais non. Qui a cru? Un. Ah ah. Ah ah. Si jamais il doit avoir mal au mains avant d'applaudir. Oui, je l'ai parlé. Soit t'as pas cut. Par contre là. Oui, je l'ai. Ne réapplaudis pas cette dame. Et vous êtes loin de votre lycée. Alors ça dépend qui en fait, parce que bon. 40 mètres. Voilà, pour tout c'est 40 mètres, pour moi c'est plutôt ouais, je sais pas, je mets 10 minutes à pied, tu veux faire quelque chose? Ouais, ouais, mais tu traînes. Je traîne pas. Vous êtes pas loin, c'est tranquille. Qui vient d'appeler? Une connasse. Qui est dans les choses chaudes. Mais c'est tous des connasses et tous des connards. Retenez bien ça. Mais là, où est-ce? Par contre là, le laser glace, il va pas trop faire. Ouais. Oh oui. Non mais il va être confus de toute façon. Non mais regarde. Hop. Hop. Et hop. Hop. Oh, vous avez vu ce que je lui mets? Merde, il va être confus du coup, non? Du coup, on va mettre un résistant quoi, voilà. Voilà. La résistance s'organise. Bah voilà quoi. Ouah. Dommage. Une fois que ça part à deux. Est-ce qu'il nous a mis un coup critique, non? Il va se blesser, il va mourir. Il va se blesser, il va mourir, ouais. Non, ça va, il se paralyse. Allez, on fait comme pour Kyogre. Je crois que Siphano il est allé chier là, hein. Il s'est barré. Ah bravo le Kyogre. Oui, ça va. Vas-y, déconfuse-toi. On peut pas lui donner une baie déconfusionnelle. Mais qui cache. Déconfusionniste. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Ah, c'est énorme. Il nous reste une demi-heure. Ça va, maintenant. De toute façon, la prof de soir, là. On a cours à 40, un truc comme ça, mais la prof de soir, de toute façon, on se barrera à 40. Parce que bon, vu que 3 habite à 40 mètres et qu'on est chez lui... Et qu'on a cours dans, on a même pas besoin d'une salle vu qu'on est dans une salle vu qu'on est dans la cour. Puisque ouais, c'est voilà. OBS, quoi. Je vois. C'est ouais. Bien ces épisodes-là, on a le temps de raconter notre vie. Ouais. Hier, j'ai sinon, si vous voulez savoir, je suis gémeaux. Histoire de dire un truc. Bah, c'est du coup, c'est que t'es même 23 mai en même temps. Moi, je suis vierge aussi. Donc. Ah oui. Mais moi, c'est salace, moi, c'est chiant. Bon. On le tue un peu trop vite ces derniers temps, je crois. En train de bailler là. Non, non, évite les ronds pendant les vidéos, s'il te plaît. Quoi? L'enfoiré. Non, mais c'est vrai, il est toujours en train de roter sur nos vidéos. Tu t'as vu dessus? Il était dans le rouge. Et alors, tu m'as fait coup de boule. Oui, je sais, coup de boule, ça, tout à l'heure, ça m'avait pas tué de Dracos, c'est un coup de boule. Oui, ah. Un petit peu de musique, en fond. Vous m'avez dit quoi, là? Ça dépend ce que tu nous mets. Ça, ouais, ça dépend, ouais. Je sais pas, vous aimez quoi? Ah. Coldplay. Non, 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 ne mets pas de Coldplay. Non, sinon on va tous les faire fuir. Oh, t'es méchant, c'est un bon groupe, enfin bon. Non, c'est pas un bon groupe. Au pays de Gandhi, au pays de Gandhi, si tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas, au pays de Gandhi? Non. Elle est énorme cette musique. Vas-y. Oh oui. Bon alors attendez, il est endormi sous hypnose. Bon allez, tu quoi, moi je vais l'attendre. J'ai une question. Quoi? Vous avez la musique? Parce que moi j'entends rien. Bref, alors oui, nous on l'entend mais c'est normal quand que tu l'entends pas. Il paraît que c'est normal. Mais nous on a mis le son très bas. On met le son bas parce qu'on entend trop. Donc tais-toi, on va se taire et monte ton son max et... Non mais moi j'entends pas, c'est normal. D'accord. Ok. Bon bah voilà. Donc qui met la musique nous? Enfin non je déconne, de toute façon c'est fini. C'est John. C'est John, ouais. Bon bah voilà. C'était et là c'était Siphano.
Non, là c'est toi. Non, mais c'était Siphano avec nous. Voilà. Non, mais c'est bon, on va peut-être faire une fin. Je vous ai fait un honneur absolument immense. Non, mais c'est vrai, c'était sympa. Il a gaspillé un lundi après-midi. Donc évidemment, allez voir sa chaîne, aimez-le, de toute façon il est très aimable. Abonnez-vous, et puis moi je vous ferai de la pub de mon côté. Et puis, Nous on est abonnés à toi. Et puis... On regarde toutes tes vidéos. Voilà. Moi je vais mettre en même musique. Oui, mais je vais suivre plein de chaînes. Fais mon défi Minecraft, enfin voilà. Ah ouais, non, ton défi Minecraft c'est chiant. Il est trop bien. C'est quoi? Mais c'est... Prends une selle, va sur un cochon, saute du cochon et tire-lui dessus à l'arc, et si t'es trop fort, tu as 360. Ouais, bah, Master Puzzle. Bon, on verra. Regarde, ça c'est Master Puzzle. Ah oui, ça c'est bien ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc on fait Master Puzzle. C'était pas vraiment pareil. Non, ça j'aime bien. Et après, on entend plus le pauvre Siphano. Ah bah oui, merde. Donc, le prochain série, ce sera avec Johnny 60. Ouais, on va faire avec lui. On va essayer de le contacter. De toute façon, le prochain, il y aura lui et puis zéro machin. Et on a nos magnifiques petits Pokémon que je vais retirer de ce pain. Un Drattak casse ça. Et essaye d'éviter de casser tous mes CD, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon. Sale voleur. Je vole pas, genre. Ah là là. Donc en tout cas, merci à toi, Siphano. Ouais, merci beaucoup. Je suis sûr que c'est grâce à toi qu'on les a attrapés, hein. Bah c'est évident. Je pense que oui. Vu que t'es notre père spirituel, n'est-ce pas? Mais oui. Ah, c'est la première fois que en 1h15 je capture 3 légendaires. Ouais, pareil. Pour le niveau accélérateur. C'est grâce à moi. Ouais. Mais franchement, ouais. La vidéo dure 1h15. Un truc comme ça. Je sais pas, je te dirais. De toute façon, à ta dignité, ça. On va te le dire vite fait. Mais en tout cas voilà, on est content, on a tout. On a nos 3 légendaires à l'Hyper Ball, pas à la Master Ball, on va pouvoir garder la Master Ball pour autre chose. C'est quoi contre objet magique, hein? Non, on a balancé pour un Goélis. Ah j'avoue, pour un Goélis. Ah oui, pour un Goélis ce serait mieux. Mais comment on va faire pour choper l'oiseau? Le quoi? L'oiseau. Tu te démerdes. Mais démerde, j'ai même pas réussi à le traiter dans ma vraie version. Donc. C'est pas dur. Bah, c'est chiant. Tu connais Regard Noir? Oui, mais j'ai eu la flemme d'entrer dans Pokémon Carrière. Hein. Mec, tu sais, sur ma diamant, le... Comment il s'appelle l'elfe de mer qui sert à rien quand on a qui se capture comme ça? Ou Créfolet, ouais. Bah moi, il se baladait. Chaque fois que je le croisais, je l'avais fini par le réduire dans sa vie en rouge. À chaque fois que je le croisais, je le balançais une balle. Et puis finalement, un jour, et bah... Ah ouais, bah moi, j'ai fait ça avec Entei, Raikou et Suicune. J'ai dû gâcher 200 Hyper Balls. Je n'en ai jamais eu un seul. D'accord. Bah, on joue pas au loto. Quoi? Ne joue pas au loto. Ouais, non, mais bon, voilà. C'est ce que je te dis, hein. Pas de balle, hein. Et voilà. Hop là. Donc, je pense qu'on va se laisser, hein. On va pas vous faire languir plus longtemps. On va pas faire durer ça à 1h30. Ouais, ouais, on vous montre vite le casino alors qu'on devrait pas. On vous l'a même pas montré, ça, d'ailleurs. Ouais. Oh oui! Un triple marine. Bon, bah, voilà. On a su faire avec nous, on est sûr de gagner. Ouais. Totalement. Avec l'accélérateur, c'est plus classe. C'est avec l'accélérateur. Je suis avec l'accélérateur. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc t'as pas les triple 7, tu peux pas déconner. Ouais. On va arrêter, je pense, quand même, parce que là, vous... Alors, ouais. Allez-vous chercher à boire, à manger, vous avez le temps. Non, les triple 7, au bout d'un moment, t'es obligé de les avoir, je sais pas si t'as remarqué, mais... Moi, je m'arrêtais que quand j'avais les triple 7, de toute façon. En fait, quand je me disais, je vais jouer au casino, j'attendais d'avoir le triple 7 avant de m'arrêter. Une fois, j'en ai fait deux de suite. Par contre, c'est de jetons que je vais manquer, donc allez crever en fait. Voilà. J'ai jamais eu le... Ah oui. J'ai jamais eu le machin ralenti. Ah si, une fois j'ai eu. Tu vois ce dont je parle ou... Non, personnellement, je m'en fous du casino. Je spam comme toi le bouton A. Ah, j'ai perdu. Et voilà, c'est la faute de Siphano. Pratique, hein. Bref, tout est de sa faute de toute façon. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Voilà, on va dire un grand merci à Siphano. À notre bon vieux copain. C'est quand même notre première dédicace de notre One True, donc j'espère qu'il en a conscience. Non. Oui. Enfin, ouais. La tienne, non. La mienne, non. Et en fait, il est troisième. En fait, il est troisième, mais c'est parce qu'on a un ego démesuré. Voilà, c'est pour ça. Tu vois, il dure 58 minutes 32, notre épisode League. Ouais, épisode League, ouais. Quand même. Ouais. Ok, bon, bah voilà, on va te laisser. J'espère que...
J'espère que voilà. Arrêté, là, c'est fini. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On me dit bonjour, on me dit au revoir là. Bah c'est tout, hein, ce c'est. Eh, y a 4 hors série, attention, tu n'en fais qu'un seul. Bah oui. On va pas prendre pour le roi. Non mais. On n'a pas dit au revoir. Mais on va dire, si, on est en train, on attend que tu le dises toi aussi. Voilà. Et donc si. Ah, mais donc là, on est toujours en train de filmer là. Oui, oui. Et l'épisode dure 1h04. D'accord. Pour ceux qui veulent savoir. C'est vide. Ok, donc là, tu peux dire au revoir. Maintenant. Eh bien, au revoir tout le monde et passez sur ma chaîne à l'occasion si ça vous intéresse. Et évidemment, on mettra pas le lien de ta chaîne dans la description. Évidemment, non. Allez, salut. Voilà, salut et à la prochaine pour le prochain hors série. Ciao. Pas avec lui, promis. On vous débarrasse.